Et en route ou pas? L'autre chose. Ah si, elle est en route, c'est parce que j'y vois pas. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous bénis ainsi que mon rabbi. Mon rabbi, puisque tu vas pas voir ce que je t'ai écrit bien avant que tu me dises une certaine chose. Hein? Voilà. Les voilà toutes les cartes que j'ai détruites. Et puis il y a encore les livres. Hein? Les cartes. Je me suis repenti, mais de toute façon, comme tu vas pas voir mes messages, tu sais pas que je l'ai fait avant que tu m'écrives ce que tu m'as écrit. Les voilà tous les putains de tarots là que j'ai déchirés. Voilà. Hein? Voilà. Et les livres aussi. Hein? J'ai pas encore fini avec les livres. Hein? Pour l'instant, j'ai déchiré que les cartes. Et puis j'ai démonté les livres aussi, mais j'ai pas fini de déchirer les pages. Voilà comment que je fais ma pénitence. J'expliquais partout, Rabbi, pourquoi que j'ai pris les cartes. Pourquoi que j'ai pris des cartes pour m'aider à voir. Hein? S'il n'y avait pas une certaine Sylvie qui m'avait bousillé mon don d'empathie, hein? Et que je voyais naturellement, j'avais pas besoin de tout ça pour voir. Hein? Si elle m'avait pas cassé le lien, j'avais un certain lien spécial avec toi, Rabbi. Et le jour où c'est qu'elle m'a fait avoir mon AVC, eh ben ça a cassé un truc. Ça n'empêche pas que j'ai toujours la foi en toi et tout ça. Ouais. Hein? Mais étant donné que tu ne vas pas lire mes messages, évidemment que tu ne peux pas savoir qu'est-ce que j'ai fait entre deux. Avant de me marquer que je ne sais plus quoi. Enfin bref. Que tu as marqué que... Bah, c'est comme si j'avais trahi l'amour que j'avais envers toi. Voilà, je vais dire ça comme ça. J'ai rien trahi du tout. J'ai pris les cartes, c'était pour t'aider. Uniquement pour pouvoir t'aider, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on allait te faire. C'est tout. J'étais prête à perdre mon âme et puis ma vie. Je suis même prête à perdre même ma vie pour toi. Mon âme et mon âme. Mon âme et ma vie. Excuse-moi, je suis fatiguée parce que là, j'ai pas redormi. Hein. Non, parce que moi, je fais, tu vois, je me réveille à 9h du soir et quand je me réveille à 9h du matin... je m'endors et après je me réveille, il est 9h du soir. Oui, enfin, je t'ai tout expliqué. Je me mélange, mais c'est pas grave. Voilà. Ça va comme pénitence? Mais. J'ai uniquement fait ça pour t'aider, prendre des cartes. Parce que je savais, je connais les lois. Hein, si tu crois que je connais pas les 10 commandements de Dieu, je les connais. Hein. Je savais ce que je risquais. Hein. Mais qu'est-ce qui est mieux? Risquer. De perdre mon âme et ma vie pour t'aider ou ne rien faire et laisser faire. Explique-moi. Alors, puisque tu vas pas lire mes messages en privé, là où tu sais, eh bien je fais une vidéo, j'en ai rien à foutre, je vais être devant tout le monde et alors? Je vais être devant tout le monde entier à dire ce que j'ai à dire. Voilà. Si tu avais lu, tu n'aurais pas eu à me dire ce que tu m'as dit. Parce que je t'ai expliqué. Et en plus, avant de tirer les cartes, je t'ai expliqué. Puis après, je t'ai dit, j'ai pris les cartes pour, à cause qu'on m'a bousillé mes dons et tout ça. Mon don d'empathie et l'attachement que j'avais. L'attachement que j'avais tellement fort avec toi, ça m'a donné un don d'empathie de ressentir tout. Voilà le don que j'avais et je pouvais prophétiser avec ça parce que je ressentais tout. Que ce soit à partir de toi ou à partir d'autres gens. Dès que les personnes étaient à m'écrire ou que je les voyais, je pouvais savoir tout. Et j'avais pas besoin de cartes. Voilà ce qu'elle a bousillé l'autre. Voilà pourquoi que j'ai du mal à me défaire de ce truc parce qu'elle m'a tellement bousillé que... Ça fait comme si que, ben, comme si que t'as un miroir puis qu'il s'est fissuré. Hein, je veux dire ça comme ça, admettons. Ça a brisé un truc. Elle a failli me faire mourir. C'est comme si qu'on m'avait enfoncé une épine dans le cœur. Je sais pas comment expliquer les trucs. Comme tu casses un verre. Tiens, pas un verre. J'avais un beau vase en cristal, un vrai cristal. Et puis un jour, je l'ai fait tomber. Bah, il est tombé en milliers de morceaux par terre. C'est ça que ça m'a fait. C'est comme si j'étais un vase de cristal et qu'il est tombé par terre en 1000 morceaux.
Voilà. Ça, c'est dit. Et puis ça, c'est toutes mes cartes. Et tous les livres. Je vais ramasser tous les morceaux qui tombent, c'est pas grave. Hein, je peux te prouver hein, que ce sont bien mes cartes. Toutes tes cartes, tous les tarots. J'en avais peut-être... combien j'en avais? Peut-être 8. Je devais en avoir 8 ou 9, je sais plus. 8 à tout casser. Et puis... le truc amérindien, là, avec les plumes, là... Le truc des rêves, là. Qu'est-ce que j'en fais? Je le garde ou pas? Non, parce que c'est peut-être aussi... Ça aussi, on n'a peut-être pas le droit. Ouais. J'aime bien savoir, alors tu me le diras. Tu me le diras, c'est tout. Hein, plusieurs fois, je t'ai posé des questions, mon rabbi, et tu répondais pas. J'ai expliqué tout de A à Z. Je t'ai toujours dit tout au poil du cul près. J'ai toujours dit tout, tout, en écrit, tout. Et quand je pose des questions, tu ne me réponds pas. Comment veux-tu qu'on ait un dialogue si tu réponds pas à mes questions? Ben, je sais pas. Maintenant, j'ai fait mon mea culpa. Je l'ai fait mon mea culpa. Sur la vidéo, là. Étant donné que t'es toujours pas allé voir les vidéos que je t'ai envoyées et tout ça, parce que dans une de mes vidéos, au début, je le dis, Comment qu'on appelle ça? Putain, je me rappelle plus. Je suis épuisé, j'en peux plus. Oh, comme on me demande pardon, je sais plus le nom, voilà. Je sais plus, hein, d'accord? Je suis allé écrire sur la chaîne de Monsieur Lavie. Pour lui demander pardon parce que et je lui ai dit ce que j'ai fait. Voilà, je lui ai expliqué un petit peu mon topo, mais pas en disant tous les détails, évidemment. Mais je l'ai remercié ce monsieur parce que il m'a réveillé, voilà. D'accord, il m'a réveillé. Déjà, il avait raison, qu'est-ce qu'il m'a de m'envoyer la vidéo là. Il a eu raison d'aller voir mes vidéos et de voir qu'est-ce que j'ai fait. Il a eu raison. Ils ont eu raison de me dire ce qu'ils m'ont dit. Mais je savais, j'ai fait en toute conscience de prendre les cartes, puisque je connais les lois de Dieu. Voilà, c'est tout. Et je t'ai tout expliqué en écrit un peu partout, et même sur ton téléphone portable, sur ton portable aussi, je t'ai envoyé. Oui, en privé, sur ton portable. J'écris partout que c'est que je peux écrire. Partout, que ce soit en privé ou pas en privé. Voilà. Alors tu me donneras une réponse ou pas, mais moi j'ai fait ma BA. Voilà, et je me suis désabonné de toutes les chaînes où il y a des cartes anciennes et tout ça. Voilà, j'ai dégagé tout ça. Maintenant c'est terminé maintenant. C'est terminé. En plus que dans une de mes vidéos, je te disais que j'arrêtais toutes ces conneries-là. Et que je revenais à mes amours, c'est-à-dire à mon premier amour, c'est-à-dire au livre de Qumran, les apocryphes, au livre d'Enoch et à la Bible. Voilà. Mais si tu avais écouté, si tu étais allé voir mes vidéos, eh ben tu aurais su. Tu aurais su. Et j'ai beau t'écrire sous... Là, j'ai remis des trucs. J'ai pas l'impression que tu as vu ou que tu as envie de me parler. J'en sais rien. Voilà, maintenant c'est fait maintenant. C'est fait. J'ai fait ce que je veux faire. Je me suis repenti, voilà, c'est ça. C'est bien ce que tu as marqué, tu as mis. Ce que je te reproche, je me suis. Enfin, que j'ai laissé mon premier amour. Ah oui, normalement c'est Jésus le premier amour. Il a toujours été le premier. T'as toujours été le premier. Que je sache. Tu crois que j'aurais pris des risques? Si je t'aimais pas, tu crois que j'ai pris des risques en toute conscience. Richard, c'est en toute conscience que je l'ai fait de reprendre les tarots et tout ça. Voilà. Et je t'ai expliqué le pourquoi du comment et tout ça. Maintenant c'est terminé, je ne veux plus en parler. Et à chaque fois que tu m'envoies sur une de tes anciennes vidéos, forcément, je retombe toujours sur des écrits que...
qui me rappelle que j'ai fait un AVC à cause de l'autre, là. C'est bon, quoi. J'en ai plein le cul de l'avoir sous les yeux, celle-là. À me rappeler, là, le mal qu'elle m'a fait. Tout ça par jalousie. J'ai pardonné, mais la douleur, elle est toujours là. Et puis les séquelles que j'ai eues au cerveau, je les ai toujours, Rabi. Les séquelles que j'ai au cerveau. Et ça, on ne me leur donnera pas. Hein? Je demande justice à ça. Je réclame justice. À propos de Sylvie Mureau qui m'a pété la tête. Avec sa méchanceté. J'ai dit son nom, j'en ai rien à branler. Et ce que j'ai vu, je l'ai vu. Et c'est une grande vérité. J'ai vu ce qui allait se passer. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucune haine, ni quoi qu'est-ce. Mais puisqu'on ne veut pas m'entendre, ni me lire, bah, je suis obligé de parler. Voilà. Là. Et après, tu me diras si j'ai le droit de garder ça, parce que ça parle quand même des Amérindiens là-dedans. Mais bon, rituel chamanique, j'ai pas du tout envie de faire des rituels chamaniques. Mais j'en ai rien à foutre de ça. Ça parle des trucs des Amérindiens. Dedans, il y a des trucs des Amérindiens, c'est tout. C'est tout ce que je vais lire. Et puis si je dois pas le garder, t'aurais qu'à me le dire. J'entends. Comme je pose des questions et que je demande, eh ben qu'on me dise des réponses. Sinon, c'est une voie sans issue. Hein. Ça va d'un côté, mais ça vient pas de l'autre. Si je pose une question, en plus je l'avais acheté en double pour avoir la trappe-rêve. Voilà, la trappe-rêve. J'ai le droit de le garder ou pas? Voilà. Faut être humble. Oui, je veux bien être humble. Mais si on m'entend pas et si on voit pas comment je suis humble dans les moments où c'est que je dis tout. J'ai tout dit. Toute la vérité sur tout. Hein? J'ai tout dit. Ah, c'est vrai, faut que je répare cette merde. Puis j'en ai perdu un, c'est pas grave. Tant qu'on est obligé de le porter pour aller chercher à bouffer au magasin, de toute façon, bientôt, même les magasins n'auront pas le droit d'aller dedans, de toute façon, c'est pas un problème. On sait très bien où c'est qu'ils veulent en venir. C'est pas un problème. Je préfère mourir de faim chez moi, de toute façon, que de me plier à toutes leurs conneries. Là, je peux aller au magasin chercher à bouffer, aller sur le marché, mais bientôt, on n'aura même plus le droit d'y aller. Donc c'est pas un problème. Je mourrai de faim, mais je céderai pas à leur connerie. Voilà. Ce que je te reproche, c'est d'avoir laissé ton premier amour. Ah putain. Rabbi, tu y vas fort, là, hein. Je dis pas que t'as dit que t'es tort en disant ça. Oui, je me suis écarté du premier amour en prenant ces putains de cartes et ces livres-là. Oui. Mais je l'ai fait en conscience pour t'aider. Qui c'est qui t'a soutenu le plus après ta femme? Parce qu'il y a ta femme qui t'a soutenu, évidemment. Hein. T'es marié, ta femme te soutient. Mais qui c'est qui t'a remonté le moral et tout ça? Qui c'est qui t'a dit tout un tas de trucs? Voilà. Je veux pas me glorifier, mais dis donc, hein. T'en as vu beaucoup, toi, qui sont venus te soutenir. À part ta femme et puis moi. Ouais. Putain. Et presque me dire que l'amour que j'ai pour toi, je m'en suis détourné parce que j'ai fait une chose que je devais pas faire, ça je le savais, mais c'était pour t'aider. Voilà. Je sais, hein, je connais les 10 commandements. Hein, tu ne feras point de voyance, tu ne joueras pas avec les cartes ou tout ce que tu veux bien, la divinoresse et tout ça. Mais si j'étais prophétesse je pouvais prophétiser sans tout ça. J'ai pas besoin, puisque mon empathie me servait à ça. Le lien que j'avais avec toi, je l'ai toujours, mais
C'est mon cerveau qu'on a pris un coup, hein. Hein? Elle va me payer des dommages et intérêts, l'autre? Lol. Elle et son frère, là. Elle va entendre, j'en ai rien à foutre. Tant pis, j'ai dit son nom, c'est parti, je vais pas arrêter la vidéo pour ça. En plus de me dire, ah, oh, toi, t'es juste une simple femme. Alors là, elle se met au-dessus de moi. Tout ça parce que je disais que j'étais Marie-Madeleine, la Sophia, et puis tout ça. Bon, enfin, de toute façon, tu connais toute l'histoire puisque j'ai envoyé toutes les photocopies de tout. Ouais, parce que j'ai des dossiers que j'envoie partout, ouais, comme j'ai envie de montrer des preuves. Voilà, t'as eu toutes les preuves sous tes yeux, Rabbi. Toutes les preuves que tu voulais pas lire parce qu'on a eu des discussions, elle et moi, évidemment. Hein? Je me suis pas gêné et j'en ai d'autres au chaud, hein. Ouais, parce qu'il y en a des pires encore, hein. Il y a pire encore, hein, toutes ces magouilles là, sur la chaîne de Cyril Iris, où c'est qu'elle discutait avec toutes les saloperies qui sont venues. Hein, avec Roussel, Titi, et puis tout ça. Et puis l'autre, Fofo, Fora, Lolo, ouais. Enfin, toute la crasse là, à discuter avec eux. Voilà. Tant pis, il faut que ça soit dit, ça soit dit. Ils vont enlever les dialogues sous ma vidéo parce qu'ils vont juger que c'est de la haine. C'est pas de la haine, je dis des vérités. Là, je suis obligé de parler très durement parce que sinon je vais pleurer. C'est pour pas pleurer que je parle comme ça. J'ai pas du tout envie de chialer dans l'écran, là. Ça va bien de pleurer comme une madeleine. Voilà. Marie-Madeleine a pleuré pendant des éons. Maintenant, ça va, c'est bon, quoi. Vas-y, hein. C'est bon. De toute façon, toi, t'es Jésus, le vrai Jésus, tu vois tout, t'entends tout, donc tu sais très bien, hein, tu sais très bien ce que je vais et ce que je fais pas. Tu le sais. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, ben voilà, c'est à toi de me répondre, s'il te plaît. Merci. Ce serait bien de m'expliquer ce que t'en penses maintenant. Parce que quand je pose des questions, réponds, s'il te plaît. Moi, je réponds. Moi, comme tu m'écris, je réponds. Bon, bah, des fois, tu ne reçois pas mes messages parce qu'il y a Youyou qui enlève ou... Il y a eu un drôle de bug, comme je t'ai écrit, mon Rabbi, et que... Sur ta chaîne, je t'ai expliqué des trucs ou ailleurs. Oui. Et je t'avais écrit un truc et puis j'ai voulu changer le changer. Je suis perfectionniste un peu dans mes écrits. C'est-à-dire que comme j'écris un truc, je dis merde, c'est pas bien écrit, il faut que je réécris. Ah oui, puis je voulais dire ça, alors je me rappelle, je dis j'ai un truc à ajouter, alors je réécris. Et puis pendant un moment, de toute façon, je t'explique tout. Donc si tu vas voir en privé sur là où tu sais, et puis ailleurs, hein, que j'ai eu un bug pendant que je réécrivais mes écrits. Pendant ce temps-là, toi, tu m'as mis un pouce, mais t'as pas lu tout. T'as pas lu tout. Ça a fait un bug. C'est-à-dire que comme j'ai écrit, ça a fait un bug. Après, on ne pouvait plus dérouler tous les écrits parce qu'il marque suite. Et comme tu appuies sur suite, normalement, tu as la suite des écrits. Et là, ça ne marchait plus. Et puis, comme j'ai voulu mettre le nouveau écrit que j'avais fini d'écrire, en mieux, avec les rajouts, ça n'a pas, ça s'est pas mis en mémoire. Voilà. Je me demande s'il y en a qui s'amusent pas à me faire chier pour pas que je puisse t'écrire. Oh, ça, c'est certain, parce que une certaine Vivi me l'avait écrit. Hein. Je suis fortiche en machin. De toute façon, elle me l'a prouvé. Hein. J'ai vu son logo le jour où c'est qu'elle a détourné la vidéo sur laquelle je montrais tout le cirque qu'elle avait fait sur la chaîne de Cyril Iris. Ouais. Ah, elle a intercepté, mais j'ai vu son logo, la connasse. J'ai vu son logo. Parce qu'elle, elle se croit forte, mais moi, j'ai un œil photographique et j'ai vu. En une seconde, j'ai vu son logo. Qu'elle était en train de me détourner la vidéo. Si bien que la vidéo, tu l'as reçue, mais elle fonctionnait plus. Hein? Bah oui, ouais, évidemment. Hein. C'est ce qu'elle voulait. Hein. Enfin, à l'époque, alors que j'étais assez gentil pour ne pas la mettre sur YouTube directement, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais non, j'ai dit, Dominique, envoie-la juste à Richard. Hein? Voilà. Ben, si j'avais su, je l'aurais mis sur YouTube. Quoique je peux la mettre, hein, il suffit que j'aille la chercher, aller sur une carte mémoire quelque part. Hein.
Je peux toujours faire de un grand foin si je veux. Ah, faut pas allumer le feu, mon rabbi. Ouais, mais il y en a qui cherchent, hein. Il y en a qui cherchent. Voilà, là je m'explique ici et puis je parlerai plus jamais de rien et de quoi que ce soit. Maintenant, je veux qu'on me foute la paix. J'ai fait mon mea culpa auprès de toi parce que toi, t'es important. Hein, et que comme tu vas pas voir ce que j'écris, tout ça, donc je le fais en vidéo. Au moins comme ça, t'as ma réponse en vidéo, devant tout le monde, j'en ai rien à foutre. Devant tout le monde, devant les hommes, devant Dieu, devant tout ce que tu veux bien. Enfin, Dieu, c'est toi, puisque le Fils et le Père ne font qu'un. Voilà. J'ai toujours été fidèle et dévoué. Et m'écrire quoi? Avant de m'écrire quelque chose, il fallait d'abord aller voir. Les vidéos que je te laisse et tout ça. Oui, j'ai merdé. Oui, j'avoue que j'ai merdé, mais je l'ai fait pour toi. Hein? On n'a qu'à me rendre ce qu'on m'a pris. Déjà. Ouais. Le truc qui est pété là-dedans. Hein. On n'a qu'à me le réparer. Voilà, c'est tout. Ah ben c'est fait, hein? J'ai pas de bon poil, non. Parce que j'en ai ras le cul. Et j'écris, on me répond pas. Et j'en ai marre. Et ça déconne. Il y a des bugs de wifi. Il y a des ralentissements. Il y a tout à nous faire chier. Voilà. J'ai répondu à Philippe, au fait. Je lui ai dit sur quelle vidéo il fallait qu'il aille voir ou que cette Marthe lui écrivait que moi je devais donner. Si j'avais l'adresse de Philippe, de lui donner à elle, mais l'adresse, elle sait à peu près où c'est qu'il habite, mais, je sais plus comment qu'elle m'a écrit. T'as qu'à aller voir Rabbi sous ta vidéo, où c'est que c'est marqué fin, la fin, je sais plus quoi, puis il y a le nom d'un ange après. Après, je sais plus quoi. Enfin, je l'ai marqué à Philippe. Il va savoir, c'est pas sur les deux dernières de tes vidéos, c'est sur la troisième avant les deux dernières. La troisième avant les deux dernières. Oui, enfin bref, j'arrive pas à trouver mes mots, d'accord? Ça se comprend. Voilà. Hein, dans une vidéo, comme j'ai fait ma vidéo que t'as pas vue, hein, je montrais tout ça, la Bible. Je montrais les livres de Nag Hammadi. Et puis le livre d'Enoch. Voilà, j'ai dit, je reviens à mes amours. Mais ça, c'était avant que tu me dises ce que tu m'as dit. Voilà. C'est pour ça que je suis pas trop de bon poil, parce que si tu étais à aller voir, parce que je t'ai écrit partout qu'il fallait que tu ailles voir, si je te dis qu'il faut qu'à aller voir, c'est parce que je mets des trucs importants là où tu sais. Hein? Voilà. Maintenant, je me repens, hein? Mais j'avais pas le choix. Par contre, hein? Voilà, j'irai pas plus loin dans mes conneries, parce que pas question que je prenne la soupe qui donne et quoi que ce soit. Plutôt mourir de faim chez moi, c'est tout. Par contre, bon, c'était un tout petit truc que j'ai fait là pour t'aider. Ben maintenant, je serai plus rien, qu'est-ce que je te dise? Sauf si ma prophé mon truc revient là, comme il faut. Je pourrais prophétiser. Correctement, si que le truc est réparé là-dedans, là, le truc de l'AVC que j'ai eu. Voilà, c'est dit. Et je me suis désabonné de beaucoup de chaînes, voilà, de trucs et de machins à la con, là, qui détournent, qui nous détournent sans qu'on s'en rende compte. Parce que, comment dirais-je, le malin, sait nous baiser comme il veut. Ça a l'air de rien, mais des fois, des petits détails à la con, là. Vas-y. Mais enfin, moi, les cartes, je les ai fait en toute conscience de prendre les cartes en conscience. Je l'ai fait. En conscience. En sachant. En connaissant la loi de Dieu. Et tu m'expliqueras pourquoi, dans certaines de tes vidéos sur ton ancienne chaîne, tu montrais un homme qui faisait de la méditation en Bouddha, si ça c'est interdit aussi, alors pourquoi que t'as montré ça dans tes vidéos? Parce que à ce moment-là, ça aussi, ça en fait partie. Alors je comprends plus rien. Hein. Voilà, je comprends plus rien. Pourquoi que tu m'as dit qu'il fallait que je cherche que
j'avais des Bouddhas à chercher. Je comprends plus rien. Parce que si Bouddha et tout ça, c'est interdit, alors pourquoi c'est autant interdit que les méditations, c'est marqué. Ils ont marqué, ils le disent. Hein. Les méditations, tout ça, les chakras, tout ça, c'est interdit. D'après ce qu'on m'a dit, hein, et que ce que j'ai vu. C'est interdit. Voilà. Ah oui. Monsieur Laville, je sais plus quoi, là. Laville, oui. Monsieur Laville, je sais plus son prénom, maintenant. Du coup. Je peux plus. J'ai le cerveau qui. Le truc que j'ai là-dedans fonctionne pas bien. Je dis d'autres mots pour d'autres mots. Ça m'a foutu une dyslexie à la con et ça. Hein? Ça me fait bien chier parce que dis donc. J'étais prêt. Je te l'ai marqué, hein, que je l'ai fait en toute conscience et que je savais que je risquais, mais que peu m'importe de perdre mon âme ou ma vie du moment que j'empêche qu'on te fasse du mal. Voilà. N'y a rien de plus beau que quelqu'un qui donne sa vie pour son frère. C'est bien écrit? Je crois, oui. J'avais dit à cœur d'artichaut qu'on allait avoir une tempête, et ben on l'a. Ouais, j'ai pas besoin de carte pour savoir. Ça, dès que le vent revient chez nous, je le sais. J'ai l'habitude, hein, je suis né ici, donc. Voilà. Voilà. Maintenant, terminer les cartes. Terminer la méditation. Si je médite, ce sera en lisant la Bible, comme je faisais avant. Que ce soit bien dit, bien. C'est clair et net et sans bavure. Je dis ce que j'ai à dire. Et là, oui. Puisque c'est écrit dans les 10 commandements, eh ben. Ouais, pour aider. Je suis vraiment qu'une conne. Enfin, je suis une conne, non? Parce que je t'aime tellement, mon rabbi, que j'en ai rien à foutre. On me dirait, tu quittes, tu laisses ton rabbi et ou tu sautes dans le vide et tu le gardes. Mais je dirais, je saute dans le vide et je garde mon rabbi. C'est tout. Maintenant, je me suis bien exprimé, c'est bon. Voilà. Et je t'ai mis tous les écrits, tout ce que tu as pu m'écrire de. Hein, je les ai mis, les écrits, tout ce que tu m'as écrit. Et puis même, il n'y a pas si longtemps, hein, aussi. Hein. Je t'ai mis les écrits que tu m'as mis. Ouais, les beaux écrits que tu m'as mis. Ouais. C'est ce qui m'aide à tenir aussi. Et puis d'un coup d'un seul, vas-y. Comme j'ai lu ta phrase, alors franchement, hein, c'est comme si que je prenais un camion de 10 tonnes en pleine gueule. Excuse-moi d'être vulgaire. Voilà. Bah maintenant, je t'aiderai plus. Hein. Plus question de faire. Voilà. Et puis, si jamais mes visions reviennent, mes visions naturelles, hein, pas les trucs de cartes, le truc que j'avais là, c'était. Parce que j'étais en connexion avec toi, plus fortement, hein. Vu qu'elle m'a pété un truc dans la tête, j'ai, mais c'est plus comme c'était. C'est elle qui a brisé le miroir, là, enfin le miroir, je me comprends. Elle va être contente. Ouais. Oh, ça peut revenir, hein. Les miracles, là, ça existe, hein. Jésus fait des miracles. Il en a fait dans ma vie, il en fera d'autres. Oh tiens, je tombe sur
les dernières paroles de Moïse. Et ben, je vais les lire. Et après, je vais arrêter la vidéo. C'est pas à peine que je fasse une vidéo de 200 ans. Et puis après, je ferai juste mes lectures de comme j'ai dit. Et puis basta. Ah, au fait. Là, j'ai essayé pour faire une vidéo en direct. Il est bien dit qu'il faut avoir 1000 abonnés. Et que en plus, il faut avoir le Google, je sais plus quoi. Non, le numéro 6 de je sais plus quoi. Ouais, enfin bref. C'est-à-dire, c'est comme dans un téléphone, t'as une... Comment on appelle ça? On a une application, il faut avoir le numéro 6, voilà, je sais pas si c'est Google ou Android ou je ne sais trop quoi. Je me rappelle pas. J'ai pris des photos pour te montrer, mais je les ai enlevées parce que ça prenait, c'était là sur mon truc pour faire ma vidéo. Et puis j'ai dit j'enlève, c'est pas grave. Ah oui. Enfin bref, il y a 10 ans, il fallait pas avoir 1000 abonnés pour pouvoir faire une vidéo en direct. Hein. Il fallait avoir 100 abonnés. Voilà. Enfin, c'est pas grave. Mais enfin, pour moi, ça aurait été plus pratique pour moi de faire des vidéos en direct. Bah oui. Hein. Parce que là, c'est chiant. Il faut que j'ai beau mettre des programmes pour sur mon téléphone pour pouvoir découper les vidéos et tout ça, c'est casse-couille. Déjà, j'arrive pas à comprendre tout. Et puis... ça fait rien du tout, vas-y. Je comprends pas tout, c'est compliqué, j'en ai pris plusieurs, et puis des fois tu télécharges des trucs, mais tu te prends de la merde avec, des fois comme tu télécharges des trucs sur le Play Store, il y a des trucs, c'est des faux trucs, et puis ça t'envoie tout un tas de trucs. Ouais. Voilà. Voilà, là il est... Oh bah je fais le tour des cadrans, hein. Quand je me suis réveillé, il était 9h du soir le dimanche. Là, on doit être au lundi maintenant, hein. Enfin bref, tu vas comprendre tout, mon rabbi. Si tu vas voir partout où je t'ai écrit, tu sauras tout de A à Z. Voilà. Et je m'excuse de m'énerver un peu dans cette vidéo-là, mais bon, hein, si une conne m'avait pas fait chier, j'en serais pas arrivé là où j'en suis. Voilà, c'est tout. On dira, ben ouais, ben elle a pris la décision elle-même. Ouais. J'ai pas pris la décision de moi-même de me faire un AVC qu'on m'a fait, hein. À voir. J'ai pas signé, là, pour avoir un AVC. Point barre. Dernière parole de Moïse. Josué, successeur de Moïse. Moïse adressait encore à ses paroles. Non. Va pas trop vite, Dominique, sinon tu... Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ses nations devant toi. Et tu t'en rendras maître, Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, je sais pas, c'est Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Ah oui, cœur d'artichaut, je me suis désabonné de ta chaîne, mais c'est pas. C'est à cause de Angel Emmanuel. Ouais. Vu qu'il a copié, j'ai la preuve par As plus B que comme j'étais tourné sur ta chaîne que je m'étais abonné là, il y avait le logo, c'était marqué s'abonner, alors que je l'étais. Normalement, la photo, elle aurait dû montrer que j'étais abonné à cette chaîne. Et là, on me disait que j'étais pas abonné, alors que je l'étais. Cœur d'artichaut. C'est pour ça que je me suis désabonné. Je me méfie maintenant. Je me méfie tellement que maintenant, c'est terminé. Ça t'empêchera pas de venir, de venir me parler si tu veux, mais je me méfie trop de ce truc-là. Voilà. Bon, il m'a dit que le livre, il parlait. J'en ai rien à branler maintenant de ce livre. Il va suivre avec tous les autres.
Plus de livres de Sofiane ni quoi qu'il y a. Je fous tout en l'air. Tout. Voilà. Ah putain, ça fait du bien. Alors, je continue. Tous les ordres que je vous ai donnés, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point. Amen. Il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui mettra en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Amen. Et il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Voilà. Putain, j'espère que je peux faire un truc là, parce que dis donc, il faut pas que je m'énerve. Ouais, je sais très bien qu'il faut pas que je m'énerve parce que je peux avoir un truc qui pète dans la tête aussi. Ouais. J'ai pris des mauvais coups aussi à la tête, hein. Ouais. Donc faut que je fasse gaffe. Faut que ça redescende, hein. Bah l'autre, elle m'a bien pourri la vie, hein. En tout cas, j'ai sorti les dossiers, je les ai donnés et j'en ai d'autres. Mais bon, comme tu dis, faut pas allumer le feu. Ah bah oui, mais des fois, nous, on n'allume pas le feu, mais les autres, ils viennent nous chatouiller. Et à un moment donné, ça va, hein. Ouais. Essayez de vous piquer avec une aiguille, rien qu'en plantant dans la main. Vous allez voir si vous allez tenir longtemps. Bah, c'est à peu près ça, hein. C'est comme si tu avais une écharde, tu vois, une écharde qui te fait chier et que tu n'arrives pas à l'enlever. C'est un peu ça, ouais. Donc à un moment donné, ça fait tellement mal que vas-y, hein. J'avais raison en disant je pardonne mais je n'oublie pas parce que ce qui est pété dans ma tête et j'oublie pas, hein. Je peux pas oublier puisque j'ai des séquelles. C'est ça le problème. Si j'avais pas de séquelles, j'en aurais rien à foutre. Mais voilà. Va recoller mon vase de cristal, Rabbi. Enfin, tu m'as compris, quoi. C'est une image. Ouais. Elle a fait mal à mon âme, elle a fait mal à mon cœur, elle a fait mal à l'Esprit Saint qui était en moi. Tout a pris, tout. J'ai tout pris, tout pris, tout pris. Et c'est bien, très bien. Et j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit des vérités, et tu vas voir que ça va se faire tel que je te l'ai dit. J'ai prophétisé. Avant de le dire avec les cartes, je l'ai prophétisé avant. Je peux encore prophétiser, mais c'est pas. Il y a un truc qui est pété là-dedans, et c'est. Ça a pété un truc. Voilà. Y a pas. Mais ça peut enlever l'amour que j'ai pour toi, ni quoi. C'est mon don d'empathie qui a été pété, et puis d'autres trucs. Ouais, je me suis expliqué. Maintenant, c'est terminé. J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Depuis 2019, ou je sais plus, hein, j'ai la date, hein, puisque je t'ai mis toutes les dates et tout, et je t'ai montré. J'ai la date. 2019, je sais plus quoi, que c'est arrivé. Calcule de dire que je me mettais au-dessus de tout le monde. Ah ouais. Alors que c'est elle. Oh bah toi, Dominique, t'es juste une simple femme. Ah, moi j'ai un lien, quand même me dit, moi j'ai un lien spécial avec Richard. Oh là là. Alors c'est qui est humble, moi ou elle? Moi j'ai seulement dit que j'étais Marie-Madeleine et puis la Sophia. Bon, bah, j'ai dit la vérité, c'est tout. Mais c'était pas pour me glorifier. Fallait bien que je dise devant mon Seigneur que je me rappelais de qui j'étais. Et puis que toutes les visions et les révélations et les songes que j'ai reçus, il fallait bien que j'en parle aussi.
Ah oui, mais non, ça y a foutu. Ah bah oui, elle m'a dit, ouais, tu traites Richard de menteur, parce que c'est lui qui m'a dit que j'étais Marie-Madeleine. Ah, tu y as dit ça, Rabbi? Bah faudrait que tu m'en parles, hein? Parce que là, faudrait chercher qui c'est qui. Hein? Qui c'est qui ment, moi ou elle? Ou toi, parce qu'elle avait l'air de dire que moi je disais que t'étais un menteur en disant que c'était pas elle. Hein? C'est pour ça, mon rabbi, que je t'avais dit un jour en écrit. Dis-lui une bonne fois pour toutes que je suis vraiment la Sophia et Marie-Madeleine et qu'on en finisse comme ça, parce qu'il y en a marre de son cinéma de venir me péter les pieds là. Voilà. Maintenant, je voudrais bien savoir, oui, si tu y as vraiment dit qu'elle était Marie-Madeleine. Mais donc, il y en a beaucoup, hein, parce que dis-nous, avec toutes les personnes qui disent qu'ils sont, mais moi j'ai des preuves. Elle, on n'en a pas. Mais. Tu parles d'un cirque. Tant pis, je mets, hein, je mets, je dis, j'en ai rien à foutre. Parce qu'on va dire j'allume le feu, mais la réparation que j'ai pas là, qu'on m'a pété là-dedans. Voilà. Pour l'instant, moi, je trinque toujours. Ouais, ça pour trinquer, je trinque toujours. Ce qu'on m'a pété, qu'on m'a volé. Voilà. Donc voilà, j'ai voulu t'aider et puis voilà le résultat en plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, excuse-moi, mais voilà, hein. Moi, je fais selon mes moyens. Hein. Hein, moi, s'il y a deux portes, tant pis, hein, je prends les deux. Hein, si je peux pas sortir par une, je prends l'autre, même si même s'il y a un risque. J'ai pris des risques. Oui, je suis coupable, j'ai pris des risques. Oui, j'ai fait en toute conscience ce que normalement on ne devrait pas faire, mais je l'ai fait pour t'aider. Et voilà, point barre, c'est tout. Maintenant, c'est toi qui décides. C'est toi le patron. Voilà, mon rabbi, j'arrête ici. C'est toi le patron, rabbi. Voilà, je te le dis en face, là. En face, avec mon œil borgne. Voilà. Maintenant, ben, tu vas voir la vidéo maintenant, parce qu'au moins, si tu vas pas voir mes... Parce que si tu es 3-4 jours sans aller voir ce que je mets, évidemment que entre-temps, il se passe beaucoup de choses. Hein. Hein, je t'ai mis des vidéos et tout ça. Donc voilà. Maintenant, je vais me contenter de lire comme je faisais avant, hein, comme sur mon ancienne chaîne, et puis basta. Voilà. Et puis si on m'écrit, je répondrai pour voilà, je répondrai, c'est normal. Il n'y a pas de souci, hein, je répondrai. Il y a beaucoup de personnes qui vont forcément se barrer de ma chaîne, hein, parce que je fais plus les cartes ni quoi qu'est-ce, mais ça, écoutez, je préfère d'être bien avec mon Dieu que de l'avoir. Fâché, et puis que. Puis voilà, hein. Bon, c'est pas vous qui va me racheter mes ailes si je les perds, hein. Si je perds tout ça, hein. Voilà. Déjà que j'ai perdu un morceau de mon cerveau, là, je sais pas où il est parlé, où il est parti. Putain, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus de ce problème que j'ai. De dire des mots pour d'autres. Ouais. Oh bah là, je suis arrivé à 5 h, j'ai fait le tour, j'ai fait les 15 heures de tour là, hein. Vas-y, hein, depuis que je suis. Vas-y, hein, que je suis réveillé. Enfin, tu n'auras qu'à regarder tout ce que j'ai écrit, tu pourras calculer par toi-même combien de temps j'ai pas dormi là. Non! J'ai passé 3 jours, mais j'ai l'impression que j'ai passé qu'une nuit. Ouais. 15 heures. Mais non, normalement, il y a 30 heures qui est passé, puisque j'avais déjà dormi 12 heures et puis 12 heures après. Dans le décalage. Oh punaise. Un truc dans le genre. Moi, j'en peux plus, hein. Voilà, je vous ferai une autre vidéo plus tard. Là, celle-là, elle est courte, elle va s'uploader un peu plus vite. Et puis voilà. C'est tout. Je m'excuse si je parais méchante, mais je suis pas méchante. Il faut que je m'énerve pour. Parce que sinon, je me mettais à chialer. Ça a coupé les larmes. Vaut mieux, parce que je chialais. À quoi que ça sert de chialer? On m'a vu plus d'une fois chialer, ouais, d'accord. Sinon, je suis pas assez forte pour aller jusqu'au bout de ce que j'ai à dire. Ouais. Voilà, c'est tout. Petit arbre à parler. Voilà.
Excuse-moi, mon rabbi. Mais voilà, si tu étais allé voir, ben, t'aurais su. Ben, merci d'aller voir, si tu le souhaites. Et puis voilà. C'est toi qui décide. C'est pas moi. Oui. Shalom à tous.